Marilyn, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On t'a choisi un bel endroit quand même. Oui. Degrés au Moulin à Les Cèdres, une belle boulangerie que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais venue ici, mais on s'est bien installé, je pense, au deuxième étage. L'esprit du bord de l'eau, la nature, Les Cèdres d'un... Encore un village, si on peut dire. Là, c'est pas très banlieusard, donc non, c'est un très bel endroit. J'ai vécu toute ma jeune enfance à Mercier, juste l'autre côté, près de Châteauguay. Et puis, on est venu dans ce coin-ci parce que mon mari, lui, ses parents habitaient à Saint-Lazare. Donc, il connaissait beaucoup l'endroit. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. OK, parfait. Et si on remonte à ton enfance, à quand tu étais jeune, est-ce que tu viens d'une grande famille? As-tu des frères, sœurs? Oui, j'ai deux frères. Un frère et une sœur. Ah, ouais. Puis mes parents qui sont encore là, qui habitent à Sainte-Anicette aussi. Okay. Donc, une grande famille quand même, trois enfants. J'étais le bébé. OK, OK. Et tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père, il conduit il appelle ça un ingénieur de locomotive, là, il conduit des trains. Okay. Et ma mère, elle était à la maison beaucoup faire du bénévolat. Donc, c'était ça notre train très très impliqué dans la communauté. Mm-hmm. Et toi, quand tu étais à l'école, à l'âge de plus socialisé, est-ce que tu étais... Justement, est-ce que tu avais plein d'amis? Est-ce que tu étais plus dans ton coin réservé? Quel genre de jeune étudiante tu étais? J'ai encore mes amis là, du primaire. Ouais, ça, c'est précieux, donc, c'est fun. Oui, on est quatre, qu'on s'est pas mal toujours tenus. Okay. On était vraiment un groupe quand même serré, nous quatre ensemble. Puis on se voit encore peut-être deux, trois fois par année dans des restos. Eux sont encore à Mercier. Okay. Elles sont encore à Mercier. Mais non, c'est ça, on se voit quand même souvent. Puis on se prend des nouvelles, on a tous des enfants. Ben non, il y en a une qui n'a pas d'enfants encore, mais on travaille là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc tu m'ouvres la porte, tu as des enfants, tu as un oui. ou combien d'enfants? On est une famille recomposée. Okay, ouais. Mon mari avait trois enfants quand on s'est rencontrés. Mm-hmm. Et puis, on a eu deux autres ensemble après. Ah, quand donc, même, hein? On est une grande famille avec cinq enfants. Oui, oui. Ça grouille beaucoup. J'imagine, ça grouille beaucoup dans la maison. C'est quoi les écarts d'âge pour la femme? La plus vieille a 19 et puis la plus jeune a 7. OK, OK. Donc, c'est quand même... Ça déménage. On va sûrement y revenir. Comment faire le travail et la famille, surtout avec le métier que tu fais, pallier à ça, on va en parler. Mais toi, quand tu étais à l'âge justement de choisir un métier dans la vie, ça arrive toujours fin secondaire, on n'est pas toujours prêt à ça, mais quand même, il faut qu'on prenne une décision sur notre avenir scolaire. Mm-hmm. Ça a été quoi ton chemin? C'était quoi tes ambitions, en fait? Au début, je voulais être prof. Okay. Je voulais être enseignante. Puis là, j'ai commencé cégep. Puis là, je me suis dit, je sais pas. Je me suis orientée vers une technique par la suite en infographie. J'étais beaucoup artistique. Okay. J'aimais beaucoup les arts. Donc, j'ai travaillé comme scanwoman longtemps. Scanwoman, c'est... avant, il n'y avait pas trop de numérique, là, donc c'était vraiment de numériser des œuvres d'art puis les reproduire en grand format. Okay. C'était pas ma spécialité, là, gestion des couleurs, tout ça avec Photoshop pour que l'artiste soit content du rendu final. Mais c'était un super beau métier. Oui, j'adorais ça, oui, vraiment. Tu fais ça pendant longtemps? Ça nous mène jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. Non. J'ai un parcours vraiment atypique pour être en politique. C'est ça qui est fun, oui. En fait, notre petite dernière, qui a maintenant 7 ans, lorsqu'elle est née avec un problème de chromosome, ce qui a engendré des gros problèmes de santé à sa naissance. Mm. Elle a, à ce jour-là, elle a été hospitalisée une trentaine de fois, et puis elle a eu 27 transports ambulanciers. Là. Donc, c'est un cas quand même assez complexe, suivi à Sainte-Justine régulièrement. Mm. C'est ce qui m'amène en politique. Moi, c'est que ma petite, quand j'ai vu qu'elle est née et puis qu'elle manquait de services, elle manquait de soins, on manquait de soutien financier des familles comme les nôtres, j'ai mobilisé un groupe de mères. Okay.
Et puis, on a parti un mouvement, un regroupement citoyen de mamans, de parents. Il y avait des papas aussi. Dans la ville où tu habitais? Non, national. Non? On était tout le Québec. Okay. On était, via les réseaux sociaux? Oui, okay. Exactement. Par Facebook, on a vraiment mobilisé tous les acteurs, tous les gens, toutes les mères. Puis on a même fait un site web, on a fait un logo, on a vraiment fait une grosse... Je prenais ça un peu comme une entreprise. Là. Ouais. J'ai vraiment tout monté avec des collègues. Puis ça nous a amené à avoir à peu près 17 000 abonnés Facebook. Puis on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de représentations dans les médias pour dénoncer, pour décrier qu'on s'appelait parents jusqu'au bout. Okay. Puis on revendiquait là, que les familles d'accueil avaient moins d'argent que les familles naturelles pour s'occuper d'un enfant qui demandait beaucoup de soins. Okay. En 2016, le gouvernement libéral à l'époque nous a bien entendus et de par nos actions politiques, médiatiques et tout, ça a bien fonctionné. Ça a pris du temps ou ça a été plus rapide que vous pensiez? En politique, là, du moment où on a parti notre site web et notre logo jusqu'au moment où on a réussi à avoir un programme pour les enfants qui nécessitent des soins exceptionnels, ça a duré 15 mois. Okay. Et 15 mois, c'est rien. Non, mais c'est ça, je suis surprise. Vraiment, là, ça a été une vitesse éclair. Okay. On a fait vraiment beaucoup de pression. Ben on avait été à Tout le monde en parle avec M. Barrette sur le plateau, le ministre Barrette. Puis ça l'a vraiment fait un gros mouvement. Là, vraiment, c'est activé vraiment beaucoup de par ces actions-là qu'on a fait. Mais de voir tout ce qu'on a fait, des mamans qui se mobilisent, ça m'a donné le goût d'en faire plus parce qu'il y a tellement plus à faire encore au Québec pour les familles qui ont des enfants handicapés, qui ont des personnes handicapées autour d'eux. Donc, le groupe, si tu me permets, c'était tous justement des parents, des mères qui avaient besoin de services avancés pour leurs enfants? Oui, oui, oui. Donc, de tout genre, là, tout handicap, tout malformation, maladie. Oui, on ciblait vraiment les enfants qui ont des problèmes à se déplacer, à se nourrir, vraiment des enfants qui ont vraiment un gros besoin d'un parent constamment là, avec eux. Donc, on a misé sur les besoins criants dès le départ. On savait que ça ne répondrait pas à tous les besoins. Idéalement, on aurait aimé ça que les enfants... En fait, les enfants qui ont 18 ans et plus puissent aussi bénéficier, mais là, ça ne fonctionnait pas. Le gouvernement était très réticent à ce moment-là. Okay. C'est ça. C'est là-dedans que je me suis dit, il faut faire plus. Il faut que... De par mon passé, je me suis dit, il faut que je fasse plus. Puis... J'ai contacté l'équipe de François Legault. C'est toi-même qui as fait les démarches? Oui. Oui. Là, quand ils ont reçu mon courriel, ils ont dit « Mon Dieu, tu veux? » J'ai dit « Oui! » Donc, ça a vraiment tout commencé là. Puis, j'ai commencé une campagne électorale en expliquant que j'avais pas d'expérience en... J'avais de l'expérience quand même en politique parce que j'avais travaillé fort avec des comités interministériels, avec tout le gouvernement précédent, j'avais travaillé fort. Mais c'était plus au niveau mobilisateur, plus revendication. Mais j'avais, tu sais, côté municipal, oui, c'est un autre... On n'apprend pas ça nulle part, en fait. C'est par expérience seulement, fait qu'il faut voir, commencer à quelque part. Oui, puis quand on est plongé là-dedans, quand on est élu, c'est génial, c'est le fun, on a l'adrénaline. Sauf que là, on se retrouve dans un bureau, puis on se dit... Exactement. Puis il n'y a aucun... Comme on était un nouveau parti en plus, on n'avait pas beaucoup de députés qui étaient déjà députés avant. Vous êtes plusieurs à avoir le même baptême là, de la politique. Là, exact. En même temps. Donc on avait des gens qui pouvaient nous aider, qui étaient déjà députés, mais en même temps, on n'avait pas... On a dû tout apprendre là, vraiment sur le tas, comme on dit. On commence là, à bien gérer, à se placer, à bien connaître nos dossiers. Ouais. Quand on a un problème pour l'environnement, c'est qui exactement au ministère de l'Environnement qu'il faut contacter pour arranger la situation. Tout ça, c'est tout un organigramme qui est quand même assez complexe là, au niveau gouvernemental. Donc, c'est un apprentissage, ça. Puis on continue encore d'apprendre à chaque jour. Là, c'est pas donné à tout le monde la politique, c'est du 24 heures sur 24. C'est vraiment palpitant, passionnant, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail.
est-ce que justement la politique t'intéressait? Est-ce que tu suivais ça avant même là, que la naissance de ta fille, on pourrait dire? Là, est-ce que c'est quelque chose que tu suivais de l'actualité politique? Non, hein? Pas du tout. Pas zéro? Pas du tout. Ben non. Quand même un peu comme non, vraiment pas. C'est beaucoup mon militantisme et de vouloir changer les choses qui m'a amené ici. Puis je trouve que le métier de député, c'est quand même un métier qui fait qu'on aide à chaque jour quelqu'un. Mm-hmm. Les gens ne savent pas, mais on reçoit des appels à chaque jour au bureau de comté pour des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui ont besoin d'aide au niveau d'un logement, d'un Revenu Québec qui ont de la misère avec leur paiement, tout ça. On aide là, quotidiennement les gens au niveau de l'aide alimentaire dans la région. On les réfère dans des organismes communautaires. Mm-hmm. On fait ça quotidiennement au bureau de comté. Là. Donc, c'est beaucoup du... J'ai des attachés politiques là, qui... Moi, je trouve que c'est comme des travailleurs sociaux. Il faut qu'ils soient super empathiques. Il faut qu'ils aident vraiment les gens et qu'ils orientent au bon endroit. Le but, c'est de beaucoup, c'est d'être un législateur, mm-hmm. mais c'est beaucoup, beaucoup de l'aide là, directe aux familles. Sens-tu que toi-même, tu réussis à avoir ce lien de proximité-là malgré le fait que tu es à Québec la plupart de la semaine? Est-ce que tu réussis quand même à entretenir ce lien-là de proximité ou c'est plus délégué à ton équipe? Oui, bien, je délègue beaucoup. Oh, c'est sûr que je n'ai pas le choix, mais sur le terrain, là, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrain. À chaque jour, je suis pratiquement sortie, puis on voit les gens, puis c'est là qu'on voit la différence qu'on peut faire aussi. Les gens sont contents de notre gouvernement, donc ça fait du bien, une belle énergie là, qui se dégage sur le terrain, donc c'est toujours... on se nourrit de positif ici, là, c'est le fun. Il n'y a pas juste du négatif. Non, évidemment. Puis si on vient, quand les élections ont commencé, tout était nouveau, il fallait que tu fasses une campagne, il fallait que qu'on te connaisse. Tu portes ta poche, j'imagine. Comment ça s'est passé? Mm-hmm. Tu as eu ce comté-là parce que tu y habitais, donc ça a été plus facile mm-hmm. pour toi, mais quand même, il fallait que les gens sachent pour qui ils vont voter. T'sais. Oui, ça a été libéral pendant, je pense, une bonne quarantaine d'années. Là, donc, ici, oui, j'avais beaucoup à faire. Bien, je me lançais, là, puis j'avais aucune idée. J'étais vraiment dans un mood, on essaye, puis on va voir ce que ça va donner. Ouais. Je vais faire mon possible, puis si ça allait arriver, ça va arriver. Mm-hmm. C'était comme ça que je m'enlignais. Ce qui a été plus difficile pour moi, c'est le fait de se vendre. Ouais. Les gens ne me connaissaient pas tous. J'étais mm-hmm. connue pour des parents d'enfants handicapés. J'étais connue dans le monde de l'handicap, dans le monde médical un peu plus que dans le monde municipal. Ouais. D'approcher les gens, bonjour. Ça, j'ai trouvé ça plus difficile, mais en même temps, j'ai cassé la glace, puis ça, j'étais capable, parce que je m'enlignais dans ma vision de j'aimerais ça aider plus les gens, il faut que je passe par-dessus ça pour aider les gens. Donc, c'est là-dedans que je focusais vraiment. Oui, quand t'en fais une priorité puis que c'est que ça que tu expliques aux citoyens, ils sentent « OK, elle veut vraiment nous aider directement. » Oui, c'est ça. Elle fait ça pour les bonnes raisons. Exactement, oui. Puis est-ce que le je pense, c'était quoi, c'était le 1er octobre? Comment tu l'as vécu, cette soirée-là, avant le résultat du vote, pendant? Comment ça a été une grosse soirée? C'était serré. Dans la région, j'ai été une des dernières à avoir été annoncée parce que ça a été serré longtemps. Il y a eu on voyait là, des fois là, que Mme Charlebois elle avait un petit dessus, elle était un petit peu en avance. Puis là, nous, on était tous devant l'écran, puis on attendait de voir ce que ça allait donner. Puis quand c'était marqué Marine Picard élue, c'était la folie, là. C'était vraiment, vraiment. Étais-tu dans le comté ici ou t'étais avec la. Okay. Oui, bien, j'étais dans mon bureau, mon local électoral j'étais. Là. Oui, c'est ça. Okay. C'était vraiment le fun. Ça, c'est un beau sentiment que je vais me rappeler vraiment longtemps. Et pourquoi avoir choisi la CAQ? Parce que c'est toi-même qui a envoyé une perche, tu aurais pu l'envoyer au gouvernement en place, mais j'imagine que tu militais un peu contre eux autres. Puis j'aimais beaucoup les idées du parti. Je focusais vraiment sur... j'ai vraiment demandé s'il y avait un candidat dans la région. Ils m'ont dit non. J'allais voir toutes les lignes du parti, puis j'ai dit ça me ressemble beaucoup. Puis, je savais leur grande ligne d'avance. C'est vraiment... C'est vraiment...
J'étais chanceuse, j'étais vraiment chanceuse. Tout s'est passé vite. Dans quelques semaines, tu étais rendue à Québec. Oui. C'est fou, hein? C'est fou. La dernière année, j'imagine qu'elle était assez rock'n'roll, si tu me permets l'expression, là, en termes d'action. Là, je veux pas t'es plongée, puis c'est au jour 1 que tu dois commencer. Là, oui. J'ai la chance d'être nommée adjointe parlementaire à la ministre de la Santé. OK. Ça, dans le fond, ce rôle-là, ce que ça fait, c'est que j'ai, dans le fond, la ministre de la Santé, je l'appuie dans certaines tâches, dont, l'Office des personnes handicapées du Québec. Okay. Donc, ce volet-là, cabinet santé, j'adore ça. C'est vraiment... C'est vraiment de rencontrer les groupes de personnes handicapées puis de voir comment on peut les aider. Ça, c'est vraiment du travail à Québec de cabinet avec l'équipe du cabinet de la santé. J'ai l'équipe parlementaire là, au niveau du Parlement. Là, tout ce qui se passe, les commissions parlementaires. Ça, c'est un apprentissage en soi, là, de juste savoir qu'est-ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, puis combien de minutes il faut faire. Puis, ça, c'est un... De se lever quand le président arrive. C'est procédural. Ça, c'est vraiment procédural. Puis le travail en comté est super intéressant aussi. Le travail sur le terrain quand je vais voir les gens. Ouais. Mais d'être à Québec, d'être là. Oui, ça signifiait quelque chose pour toi, j'imagine. C'est impressionnant. Ah oui, c'est le privilège quand on rentre au Parlement, le privilège qu'on sent d'être là. De rentrer dans les murs, puis d'être dans les corridors de cet édifice-là qui est en soi, là, c'est exceptionnel d'être là. C'est une chance incroyable. Puis à chaque jour, j'ai mon petit pupitre, là, c'est écrit Marlène Picard, Soulanges. Puis on se lève, puis il faut faire c'est peut-être un peu moins d'une minute là, de réflexion là, à chaque début d'assemblée. Puis je regarde, puis je regarde le Soulanges, puis je me dis « Ah, merci, c'est grâce à vous que je suis là, puis je travaille fort pour vous. » Puis même si on est à Québec, puis on est loin, mais on regarde le petit mot Soulanges, puis on focus là-dessus. Puis c'est sûr que c'est pas toujours facile, même là-bas, mais on focus sur Soulanges, et on focus. Non, je comprends. Évoqué tantôt, mais justement d'avoir une grande famille et d'être un peu loin et de faire des allers-retours à Québec et d'être sur le terrain, faire ton métier, quoi. Oui. C'est quand même, comment tu réussis à vivre un peu ton métier, ton rôle de mère à travers ça? Oui, on a fait carrément on a inversé les rôles. Okay. Mon mari est devenu à la maison aidant naturel pour la petite demande de soins. Il travaillait en imprimerie toute sa vie, en infographie, imprimerie, il était directeur d'usine et tout. Donc lui, c'était comme une entente qu'on avait au départ. Si je suis élue, est-ce que ça... Le temps au moins que tout se place, est-ce que tu peux rester à la maison un petit peu pour voir comment on va jongler à travers tout ça? Je pense que quand je suis à la maison, j'ai vraiment du temps de qualité avec mes enfants, donc ça va vraiment bien. Je me réserve quand même, j'essaie de me réserver une journée par semaine, pas de rendez-vous, pas rien. Puis je l'ai dit à mes attachés politiques, ma directrice de bureau de comté, je dis tant que possible, une journée par semaine, j'aimerais ça être à la maison. Ça peut être n'importe quel, choisissez, c'est le mardi, mercredi, ça me dérange pas, mais une journée par semaine. Donc cette journée-là, là, elle est en soi vraiment... Précieuse. oui, vraiment. Puis mon mari, je suis chanceuse, il est vraiment bon avec les enfants, puis ça ne dérange pas de faire le lavage, ménage. génial. Donc, c'est vraiment un beau inversement des rôles. Et je me demandais comment tu vis le fait d'être une personnalité publique dans la politique, je veux pas... ça vient d'un lot de critiques, un lot de bons coups. Comment tu deals avec ça? Des fois, j'imagine que c'est des gens qui... Parce que oui, il y a des gens qui sont heureux de ton travail, mais c'est toujours l'envers de la médaille. Il y a aussi des gens qui vont te voir des plaintes, des trucs, etc. Ouais. Comment tu deals avec ça en bon français? Ben,
Je dirais que je suis consciente que c'est sûr que je ne peux pas plaire à tout le monde. Non, mais non. Donc, je focus sur les gens qui sont contents. Puis, on essaie d'aider le plus possible tout le monde. Je sais très bien que j'ai eu 37 % je pense, des votes. Donc, je sais très bien qu'il y en a une grande partie qui n'ont pas voté pour moi. Mais c'est pas grave. Moi, j'aide tout le monde. Puis, j'essaie pas de les convaincre non plus de voter pour la CAQ plus tard. Je vais juste donner à 100 % dans tout. Puis, ils jugeront dans 3 ans et demi Donc, c'est sûr que quand il y a des critiques, c'est dommage. Là, mais en même temps, j'essaie quand même d'aider le plus possible. Puis, de faire mon 100 % C'est tout ce que je peux faire de plus, ça, c'est donner mon 100 % puis de voir comment je peux les aider, puis de leur dire si je peux pas les aider ou si je peux plus les aider. D'être vraiment transparent dans tout ça, je pense que c'est ça la clé aussi. Donc, est-ce que ça t'arrive quand toi, tu fais, mettons, tu vis ta vie de citoyenne, est-ce que ça... Je me demande souvent ces questions-là, je trouve ça comique, ça arrive souvent au maire, mais quand même, aux députés, d'aller chercher une pinte de lait, ça prend plus de temps que n'importe qui parce que tu te fais accrocher. Toi, quand tu... Vu que tu vis dans la région, c'est comment, justement, ta vie de tous les jours en croisant tes électeurs, là, on pourrait dire? Bien, c'est sûr que quand on dit aux enfants, supposons les plus vieux, ils restent à la maison, puis on dit « Ah, on s'en va juste à l'épicerie, on revient. » Ouais, c'est ça. Ils savent, ça prend tout le temps 2-3 heures, là, même si on va juste à l'épicerie, mais c'est le fun. Ben, tu peux pas faire comme « Ah, regarde, moi, j'ai pas punché, je travaille pas aujourd'hui. » Tu peux pas faire ça. Non, exactement. Lundi, tu me rappelles. Souvent, quand on croise des gens, même si c'est à l'épicerie, ils nous racontent, supposons, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis là, ben « Ah, mais appelez au bureau de comté, on va vous aider. » c'est souvent ça aussi, là, qui... on aide même à l'épicerie, là. Ouais, c'est ça. Ça se fait tout le temps, partout. Ah oui, vraiment. J'adore ça. C'est les enfants, là, d'une fois, qui sont à côté de l'épicerie, puis là, vraiment. Je comprends. Mais ça va, ils sont quand même contents aussi. Ça amène tellement positif, là, que... On parle, mettons, je vais parler de la région, du comté, en fait. Soulanges, c'est combien de municipalités? 16, hein, quand 16 même. 16 hein. Il y en a qui en ont 3, là, des fois, parce qu'elles sont plus grosses. Exact. Mais 16, donc, c'est des liens que tu dois, des liens de communication avec 16 maires-mairesses. Parle-moi justement de ces 16 municipalités-là que tu ne devais pas tous les connaître de fond en comble. Exactement. C'est sûr que je connaissais plus la mienne. Municipalité. On apprend à se connaître, puis ça aussi, plus qu'on se connaît, mieux c'est aussi, parce qu'on arrive à avoir des belles discussions ensemble. J'ai fait la semaine dernière un 5 à 7 à mon bureau de comté avec les maires, puis j'essaie de leur redemander c'est quoi vos priorités pour vous dans votre municipalité. Je vais faire ça quand même peut-être 2-3 fois par année là, pour voir est-ce qu'on s'enligne dans la bonne direction, est-ce qu'on peut, on travaille en collaboration, on travaille ensemble. Tout ce qu'on veut, tout le monde, c'est que les gens, les citoyens soient bien. Donc, on va travailler dans ce sens-là, tout le monde ensemble. C'est ça l'important. Puis, c'est sûr qu'il y a des municipalités que je connaissais plus que d'autres. Là, ça, c'est sûr. Des enjeux aussi des municipalités que je connaissais mieux que d'autres. Donc, j'apprends chaque jour. Marie-Lyne, je veux savoir, étant donné que tu as été assez militante justement dans les mois qui ont précédé ton élection, une fois que tu es élue et là que tu te retrouves de l'autre côté, du côté du pouvoir et que tu fais face justement à des groupes similaires auxquels tu as participé, comment tu as vécu ça? Parce que tu as mis de la pression pendant longtemps sur le gouvernement, puis des fois c'est un peu plus long. Bon, vous avez été chanceuse, parce que ça s'est passé quand même assez rapidement, en 15 mois, là, ce que tu me disais. Mais en situation de pouvoir, comment tu deals avec ça, comment ça se passe de l'autre côté? Bien, une première chose que j'avais fait, c'est en arrivant à titre d'adjointe parlementaire à la santé, j'avais été rencontrer l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, puis je me suis aperçue à quel point il y a une lourdeur au niveau des formulaires, des programmes pour les personnes handicapées. Donc là, je me suis dit, bien, je comprends donc que les gens, ils ont eu de la misère à s'orienter, parce que c'est vraiment, là, il y a 270 programmes pour les personnes handicapées au Québec. Okay.
répartis sur 70 formulaires différents et 19 ministères et organismes. C'est vraiment... Là, à ce niveau-là, je me suis dit, il y a un problème, il faut qu'on règle ça dès le début. Mm-hmm. On est en train là, de régler ça, de tout faire un peu de ménage là, pour voir s'il y a des programmes qui se répètent. Là, mais somme toute, il n'y en a pas beaucoup qui se répètent. Okay. Mais je fais affaire justement à des groupes militants qui sont comme moi. Mais je trouve que de par ma position, quand je vais les rencontrer avec les ministres concernés, on a une proximité parce qu'ils savent mon vécu. Ouais, ouais. Puis ils savent que je fais tout pour eux. Je pense qu'ils savent que je travaille fort pour eux. Donc à ce niveau-là, moi je les comprends aussi. Ouais. Donc c'est juste, encore une fois, c'est la transparence de dire on est rendu là, mm-hmm. puis on essaie de faire ça, on ne sait pas trop où on s'en va avec ça, mais on veut essayer ça. Puis on travaille ensemble dans le fond, puis c'est ce qui va nous amener à avoir des belles réussites. Je comprends l'autre côté aussi. Et là, avec une année presque de fait au gouvernement, il en reste 3, ça va quand même vite. Est-ce que tu me disais que là, vous commencez à tout comprendre, tout maîtriser les dossiers? On est toujours en apprentissage, comme tu l'as mentionné. Mais comment tu vois les 3 prochaines années? Est-ce que tu as l'impression que ça va être... ça va être le même beat ou vous allez comme plus accélérer les choses? Comment tu vois les prochaines années? Oui, bien, je pense que la première année, c'est une grande année d'apprentissage. Ouais. Je pense là, que les 3 prochaines vont être beaucoup du développement, de voir comment on peut... là, au début, on a fait justement un débroussaillage là, de tout qu'est-ce qu'elle n'est pas. Puis là, on va s'organiser à comment on peut le faire. Mm-hmm. Je pense que ça va être beaucoup ça. Bien, de mon côté, avec la circonscription, c'est beaucoup ça. J'ai appris. Donc, OK, c'est quoi les limites que je peux... c'est où les limites? C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Puis là, on va y aller. On va y aller comme ça. Je te souhaite que ça se passe super bien. Puis que, en fait, je suis même curieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, justement, que tu aimerais poursuivre au-delà du 4 ans? T'es à ta place? T'es sur ton X, comme on pourrait dire? Oui, mais c'est au jour le jour. Ouais. Je me dis, je veux pas penser à ça. Je donne mon 100%, puis c'est au jour le jour. Parce qu'on peut pas prendre pour acquis non plus. Exactement. On sait pas ce qui va arriver demain, on sait pas ce qui va arriver. Donc, c'est ma petite fille qui me l'a appris. Ouais. Donc, oui, j'ai au jour le jour, puis on va voir où la vie nous mène à ce moment-là. Mais j'adore mon emploi, puis si je continue à l'adorer comme ça, bien, je pense que ça va se transposer aussi. Puis tout le travail va être en conséquence, puis... Si ça continue comme ça, pourquoi pas, mais au jour le jour. Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci.